tienne. Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? J'aimerais savoir l'expérience comme la vôtre. C'est ça, Céline. C'est ça. C'est peut-être la plus grande chanteuse au monde, mais c'est sûrement la plus fine du monde. Et c'est cette Céline que je vais vous faire connaître, que je vais vous faire aimer autant que je l'aime. Céline, je suis tellement contente de te revoir après tant d'années. Te souviens-tu du téléthon qu'on avait fait ensemble? Te souviens-tu? Ça fait longtemps. Une fois par 15 ans. Une fois par 15 ans. Mais non, là, aujourd'hui, je suis là pour longtemps. Mais oui. Je t'ai apporté, j'apporte toujours à mes invités un petit quelque chose, comme je dis. C'est pas un vrai cadeau, mais c'est un petit quelque chose. Bon. Alors, tu le lapin va sortir du sac? Oui, oui, le lapin va sortir du sac. Alors, ça craque un peu, si on s'excuse. Les recettes de Jeannette. Oui, mais je sais que ta mère fait tellement bien à manger. Celui-là, c'est pour toi. Merci. Pour dans tes vieux jours, quand tu feras la cuisine. Dans mon avenir prochain. Dans ton prochain. Tes vieux jours, c'est prochain. J'insiste. Bon, OK. Les recettes de Jeannette. Merci. Et ça, je l'ai mis à l'envers. Ça, c'est ma biographie. Ma vie en trois actes. Oui. Que j'aimerais que tu lises. Merci. Qui est le parcours de ma vie. Mon nouveau livre de chevet. Pétard. C'est pétard. Pétard. Et ça, il paraît qu'on a fait une grosse enquête pour savoir ce que t'aimais. Puis là, je fais encore la compétition à ta mère, mais je fais du sucre à crème au sirop d'érable. Alors, on l'a fait hier soir, mon conjoint et moi. Attends, comment ça s'ouvre? Attends, t'es pas dans le bon bar, là. Bon. Il y a un bar. Ah, ben, oh my God. Mais au sirop d'érable. On peut tu. Non, on peut pas tout dire. Ben oui, pourquoi? Goody. OK, excusez-moi. Pas de comparaison, là. Jamais. Pas de comparaison. Ça, c'est la pire affaire à faire. Pas de comparaison. On ne parle pas un enfant avec un autre, puis on ne parle pas un carré de sucre à crème avec le voisin non plus. Non. Es-tu une experte? Puis ma mère met des noix dedans. Oui, moi, il y a toujours des noix. Okay. Sirop d'érable, sens-tu du sirop d'érable? Mais oui. C'est assez bon, ça. C'est comme du fudge, c'est pas... En tout cas, ça mais me là, fait... parle un peu, parce que moi, je ne peux pas parler bon, du tout. Céline, ce que je voulais te dire, c'est je te revois, t'es tellement rayonnant, tellement mature, tellement, t'as tellement l'air heureuse. Je me dis, c'est-tu René Charles qui est la cause de tout ça? Quand on a un enfant, j'ai l'impression que ça doit être comme ça pour tout le monde. Oui, tout à fait. Avant d'avoir des enfants, avant d'avoir un enfant, on peut avoir des visions, on peut avoir des rêves, on peut avoir des ambitions, on peut avoir des tracas, plein de choses, bon, la vie normale. Puis on a l'impression que tout est plus ou moins important, on fait les choses comme bon nous semble. Mais quand on a un enfant, j'ai comme l'impression que tout se remet en place. Le bateau se rééquilibre, la boussole à l'intérieur de nous prend place pour la première fois. On découvre le centre de soi-même. Moi, quand j'ai pris mon fils dans mes bras la première fois, déjà au départ, avant ça, de son premier battement de cœur, il m'a accepté en tant que mère. Et ça a été pour moi un privilège extraordinaire de pouvoir porter un enfant. Le premier jour que je l'ai porté dans mes bras, je me disais, comment puis-je mettre sur des mots ce que je ressens en ce moment? C'était pour moi, à chaque fois qu'on parle de l'enfance, moi, ça me touche beaucoup. Quand je regarde des photos de moi quand j'étais petite, ou quand moment où mes frères et mes sœurs parlent de mon enfance, je ne sais pas pourquoi, mais ça me touche énormément, avec une boule dans la gorge. Une émotion qui n'est pas... C'est pas que c'est douloureux. C'est pas triste. Non,
Mais à la fois, l'amour, ça fait mal aussi. J'ai tellement été tout le temps portée que je n'ai pas pu extérioriser, en étant très jeune, toutes ces émotions-là. Puis je pense que ça fait... La raison pour laquelle je pleurais souvent quand j'étais très jeune, au début de ma carrière, ça fait partie d'une de ces raisons-là. C'est une boule d'émotions qui a, de temps en temps... Un débordement. Un débordement d'amour. Et quand j'ai porté mon fils dans mes bras la première fois, j'essayais de comprendre cette grandiosité d'amour-là. Puis je me disais, c'est comme si je touchais et je portais pour la première fois ma propre enfance. Je mettais le doigt dessus. Je le regardais. Je le sentais battre. Son cœur, son odeur. Et ça venait de toi. C'est que la filiation, ce qu'on appelle la filiation, moi j'ai eu 3 enfants puis des jumelles qui n'ont pas vécu. Mais tu sais, tu prends ton enfant puis tu dis, ça vient de moi, c'est moi en miniature. Oui. Et c'est pour ça qu'on devient, j'imagine, très protecteur. On prend cet enfant-là. Je comprends. C'est à moi. On se dit, il faut que je fasse attention à ça. C'est à moi. Puis en plus, l'abandon, c'est que ces enfants-là, ils sont là, ils te regardent, puis ils te font confiance. Puis là, tu te dis, j'ai peut-être fait bien des choses dans ma vie jusqu'à maintenant, même si je suis très jeune. C'est la première fois que je fais quelque chose d'une telle importance. Là, je fais une différence. Là, c'est important. Et cet enfant-là a besoin de moi. Oui, puis parce je que même, c'est ça. Même dans une grande carrière, tu peux la faire ou tu peux ne pas la faire. Personne n'a besoin de moi. On aime, on n'aime pas. Voilà. On embarque dans la chérie ou on n'embarque pas. Absolument. Toute personne est remplaçable, excepté ton enfant. Absolument. Ton enfant, il a besoin de toi. Oui. Et ça, c'est grand. Bien, c'est plus grand que la vie. Puis je me dis, je me questionne très souvent parce que je me dis, je dois lui montrer les choses, puis c'est lui qui m'en apprend. Et depuis ce jour, tout est devenu très important. Chaque chose. Je veux arranger toute la vie, là. Il y a comme une panique qui se forme, puis que là, on veut régler tout le monde. Pour lui, pour les autres, pour les enfants autour de lui, pour nous. Toi, t'es né accident. T'étais une surprise. Oui. T'étais une surprise. Mais t'as été accueillie par 13 autres enfants. T'es la 14e. T'étais le cadeau. Moi, j'ai eu beaucoup de mamans, beaucoup de papas. Oui. J'ai eu cette... Puis heureusement, parce que je regarde ça des fois aujourd'hui, puis je me dis, j'aurais pu vraiment virer sur le top parce que du début, j'ai été portée. Après ça, avec un début de carrière, j'ai été encore... portée, supportée, puis encouragée. T'aurais pu être insupportable. Eh non, mais exactement. Là, ça aurait été facile pour moi gâté, de dire, là, moi, j'ai tout eu, là, puis qu'est-ce que c'est ça, là, puis... Tu sais que, non, puis... Aujourd'hui, je regarde mon fils, puis c'est toujours... Je dirais pas un combat, parce que je veux donner à mon fils, je veux tout lui donner. Oh, René et moi, on veut tout lui donner, bien sûr. Puis c'est pas qu'est-ce qu'on donne à un enfant. C'est pas... On n'élève pas un enfant avec ce qu'on lui donne. C'est la façon qu'on l'élève qui fait que c'est une bonne personne ou non. Parce que souvent, les gens, tu le gâtes-tu? Absolument que oui. Est-ce que ça te fait peur de gâter trop René Charles? Puis moi, je me dis, j'ai été gâtée. Puis pas juste d'amour, là. Il travaillait, mes frères, mes soeurs, ils se faisaient des types, là, puis ils m'achetaient toujours des affaires, puis ils passaient le pays là-dedans. Tu sais, je veux dire, ils m'ont gâté beaucoup. C'est-tu dangereux? Ça peut l'être, mais de l'autre côté, il faut que tu donnes le restant aussi. Oui, oui. Apprécier, puis être généreux, puis être une bonne personne. Mais moi, je trouve que ça n'a pas rapport. C'est pas, tu gâtes un enfant avec des jouets, puis des effets, puis des... S'il n'y a pas l'autre, l'essentiel. Non, c'est ça. S'il n'a pas l'essentiel... C'est être aimé. C'est d'être aimé, puis de pouvoir savoir aussi les vraies valeurs des choses. Est-ce que tu penses que toi, le fait d'avoir été tant aimé de ta famille... Ça a fait de toi ce que tu es. Absolument. Parce que ça aurait pu aussi t'enlever toute ambition. Ça aurait pu. Beaucoup d'enfants gâtés n'ont plus besoin de rien. Ils savent que tout le monde va leur donner tout. T'aurais pu. Qu'est-ce qui a fait que toi, ça t'a donné de l'ambition?
C'est vrai que debout sur une table de cuisine avec déjà un public à 5 ans, de mes frères et sœurs qui, eux, applaudissent. Qui applaudissent et qui t'aiment de toute façon, que tu sois bonne ou pas bonne, cute ou pas cute, ils t'aiment. Oui. C'est leur petite sœur. Oui. Mais à la fois, cet amour-là était sincère, était franche et on avait tous le même rêve. Là. On voulait tous réussir là-dedans, à quelque part. Vous vouliez tous être dans, je pense, en musique. On avait tous la musique en soi, en nous, mais je pense que la majorité, peut-être pas tout le monde, mais la majorité d'entre nous, on voulait être sur scène, on aimait ça, on voulait faire ça. C'est dû à quoi, ça? À la famille de ton père qui était musicien? Ma mère aussi. Puis ta mère aussi? Les deux. Alors, je pense que l'électricité d'un côté et de l'autre, mis ensemble, ça fait une boule de feu. Quand t'es arrivée, toute leur ambition a focusé sur toi? Je pense que quand on est rendu au troisième bébé, puis au septième, puis au neuvième, puis au onzième, on n'a pas le temps de donner de l'énergie sur une personne. Il fallait que tout le monde, c'était dans le tas, les grands s'occupaient des petits, puis aller à l'école, puis une job, puis let's go, il fallait s'entraider. Mais 6 ans après, il y a eu les jumeaux, et 6 ans après, moi je suis venue au monde, ma mère en a fait pratiquement une dépression parce qu'elle ne voulait pas d'enfant, elle avait déjà passé la quarantaine. 41 ans, était persuadée d'avoir un enfant retardé, handicapé, peu importe, parce qu'il mettait ça dans la tête des femmes tellement. 40, c'était 40 ans, la deadline, là, c'était la limite, là, oubliez ça. 41, c'était sûr, c'était fatal. Ma mère a eu le temps, plus le temps, de mettre l'énergie sur moi. Pas qu'elle n'a pas donné tout ce qu'elle avait avec les autres, mais c'est que quand les plus jeunes ont 6 ans, vont déjà à l'école, puis là, il y a un nouveau bébé qui vient à la maison, tous les autres sont grands. Elle a eu le temps de prendre un petit peu plus le temps pour dire, bon, elle aime ça chanter, elle chante au vieux Barry, au bar. Moi, je veux pas qu'elle chante dans un bar, ça n'a pas de bon sens. Il y en a 13 qui ont voulu faire ça, ils chantent dans un bar. Il y en a qui ont fait un disque ou deux, mais ça n'a jamais percé au maximum. Elle veut faire ça, c'est ma dernière. J'ai peut-être plus le temps de m'en occuper, c'est sûr, je n'aurai pas d'autres enfants. Et l'étoile, le destin en plus, mais surtout le temps qu'elle s'est dit, maman, je vais m'en occuper. Là, j'ai le temps, là, j'ai pas d'autres petits bébés. Mais parle-moi de cette enfance. Écoute, la maison à Charlemagne avait combien de pièces? Il y avait 1, 2, 3, peut-être 6 pièces. Il y avait peut-être 3 chambres en haut, 4 chambres en haut. Puis en bas, il y avait une cuisine. Mais un salon. Vous étiez 16. On était 16. Vous étiez 16. Ah, c'est pour ça que ça ne m'effraie pas d'être si près de vous aujourd'hui, là, parce que nous autres, on a été élevés serrés, là. 16. Mais 16. Et puis vous étiez pauvres. Oh non. Ou tu le sentais pas. On était riches. Vous étiez riches. On était riches. Tout le temps, on était riches. On avait tout. Mais on n'avait pas un sou. Vous n'aviez pas un sou. Non, on n'avait pas un sou. Puis pas de. Ma mère savait tricoter. Oui. Elle savait chanter, elle savait jouer de la musique. Mon père était là, travaillait fort. On avait une cheminée, on n'avait pas froid. Ma mère, qui cuisine super bien, elle tricotait, elle nous racontait des histoires. Ma mère, avec cette grande âme d'artiste, puis avec ma mère, elle a une espèce de talent psychologue, là. Tu sais, comme, je sais pas, je la trouve vraiment... Ouais. Extraordinaire. J'ai toujours trouvé que mon père a vécu dans une famille totalement différente de celle de maman. Ils se sont complétés. Mon père a vécu des choses très difficiles. Ma mère a travaillé physiquement beaucoup. Mais la musique les a rejoints mutuellement. Et j'ai toujours trouvé que ma mère avait sauvé mon père à quelque part. Oui. Mon père a peut-être sauvé ma mère aussi. Aussi. Mais ma mère a tellement pris les guides que j'ai tendance à dire que maman a sauvé mon père. C'est-à-dire que c'était la femme forte de la maison. C'était la femme forte de la maison. Puis mon père vivait dans un autre genre de famille où ça jouait tough, ça jouait rough. Heureusement que mon père était un super travaillant. Mon père travaillait pour justement se sortir de là. Et la musique qui l'apaisait et qui le sortait de ses troubles familiaux. Où t'as sorti cette voix-là?
qu'on ne sait pas d'où elle sort. Tu sais, moi, je t'entends chanter, je dis, mais d'où ça sort? Ça sort-tu de là? Mais écoute, il y en a très peu qui ont des voix comme toi. Comment ça se fait que quelqu'un naît avec une voix aussi belle, aussi forte, aussi spéciale? Le sais-tu? Moi, je pense que j'ai eu un petit grain de chacun de mes frères et sœurs. Ah oui? Je les ai vus hier soir. Oui. Au casino. Puis je les voyais défiler devant moi, puis je connais très bien chacune de leurs personnalités. Oui, je comprends. Et c'était impressionnant pour moi de voir, bon, Claudette, bien sûr, qui chante merveilleusement bien et qui aime faire ce qu'elle fait, mais c'était davantage plus spécial pour moi de voir, par exemple, Pauline, qui est jumelle de Paul, sur scène, qui, elle, a 6 enfants, de la voir sur scène chanter. Jamais j'ai entendu sa voix. Jamais. Manon. Jamais j'ai entendu sa voix. Daniel. Même qui fait des claquettes. Même quand tu étais dans la cuisine? À la maison, oui, mais c'était plutôt... Daniel, il jouait du drum, il était trop gêné. Il dansait des claquettes parce qu'il n'était pas capable de parler. Okay. C'était très, très intérieur. Alors, chacun a sa personnalité. Il y en a qui sont leaders de party, puis ça, c'est correct. Mais il y en a beaucoup des personnalités qui sont... Même s'ils adorent la musique, ça se passe intérieurement. Et de les voir hier, je me suis dit, j'ai pas été inventée. Là. J'ai, toutes eux autres sont en moi. Ils auraient tout aimé ça. C'est un don familial, peut-être. Oui, c'est un don familial. Toute cette boule-là, je veux pas dire ça prétentieusement, mais j'ai comme l'impression de toutes les avoir avec moi. Puis ça m'a été donné de pouvoir réaliser ça pour eux autres aussi, à quelque part. Quelle est la première chanson que tu as chantée tout du long, là? T'avais quel âge? Tu sais, la première petite chanson, c'était quoi? Je ne sais pas s'il y en avait une avant celle-là, mais je vais toujours me rappeler d'avoir chanté « Donnez-moi un peu de fil des aiguilles du coton. Il n'en faut pas plus pour réparer un cœur en pièces. » Ça, ça a été ta première chanson? Mais je pense j'avais chanté ça au mariage de Michel. OK. J'avais 5 ans. Oui. J'avais chanté 3-4 chansons. Puis là, je checkais les musiciens, faut qu'ils ne fassent pas des fausses notes. À un moment donné, je pensais que Jacques avait fait une fausse note, puis je l'avais regardé du coin de l'œil. Mais c'est une des chansons, entre autres, que j'avais interprétées. Et ce fameux mariage de Michel, est-ce que c'est là que tu as eu la piqûre? Tu sais, des applaudissements, des gens qui disent, mais ben bonne. J'ai jamais réalisé à quel moment je l'ai eu. Moi, j'ai l'impression, Céline, que c'est comme les filles qui nous parlent. Qui ont entendu l'appel, tu sais, pour entrer en religion. Trouves-tu qu'il y a une similitude? Tu sais, j'ai toujours su que j'étais pour faire ça. C'est comme une espèce de vocation de chanter pour les autres. Bien, je ne serais pas surprise parce que je ne peux pas mettre le doigt sur le moment où j'ai réalisé que je voulais faire ça. C'était pour moi, c'était sûr. Puis en plus, je me faisais encourager par le reste, toute ma famille, évidemment. Quand tu regardes toute cette chance-là derrière tout ça, c'est pratiquement incroyable. Ouais. Tu sais, pourquoi cette famille-là... Déjà, devenir d'une famille comme ça, c'est le plus beau des cadeaux. En plus, pourquoi moi? Pourquoi avoir reçu une voix? Pourquoi avoir reçu... être entourée de vraies bonnes personnes autour de moi? Pourquoi avoir eu des auteurs-compositeurs extraordinaires? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Puis pourquoi jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi j'aurais tout reçu, là? Oui. C'est tellement beaucoup. Peut-être parce qu'il y a du talent. Admets le don. Non, mais c'est sûr qu'à quelque part, tu sais, je veux dire, il faut avoir un brin de talent. Un brin, un gros. Mais je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui ont du talent. Oui, aussi. Et qui n'ont pas la passion. Aussi. OK. Et de pouvoir la mettre... La discipline. Oh, Seigneur. La discipline, on va en parler. Et l'abandon. Et l'abandon. D'être capable de s'abandonner et de se dire, je peux mettre tout de côté pour focusser et faire telle et telle chose. Et là, on rejoint la vocation. À tout abandonner pour entrer en sacerdoce. Parce que le talent, ça peut être 10 % oui. 20 % oui, oui, oui. Mais si tu l'as pas, il n'y a pas le reste. Non, si tu l'as pas, la boule de neige ne se forme pas. Mais par contre... il faut qu'il y ait beaucoup plus que ça. Bélier comme moi. Oh, Seigneur, pas ça trop fort. Il paraît que c'est vous très... Vous aussi, vous êtes bélier? Oui. On a des idées dans le front, nous autres. Oui, oui.
puis on fonce. Ça fait peur au monde un peu. Oui, je pense que ça fait un petit peu peur parce qu'on fonce et puis on déplace du vent un petit peu. On fait de l'air. C'est peut-être un peu de ça qui fait dans ta réussite, penses-tu? Oh, de tout. De tout. On parlait tantôt un petit peu de talent, la chance, la persévérance, la discipline, savoir écouter. Ouais. Apprendre. C'est pas évident pour un bélier, non? Non, non. Mais apprendre. Écouter dans le sens d'apprendre des autres. C'est parce que prendre le meilleur des autres, oui. Faire, oui. Diriger. Oui. Es-tu bonne, c'est toi? Pas. C'est pas facile pour tout le monde, se faire dire quoi faire. Non, là. Non. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Non. Il y en a combien d'artistes qui ont du talent plus grand que la vie, puis sont pas capables de se faire dire quoi faire? Tu devrais peut-être pas t'habiller comme ça, fais ça comme ça, fais attention. Ils sont pas capables de se faire reprendre ou de se faire dire c'était bien, mais je pense qu'il y a place à amélioration. Mais tu penses pas que c'est un signe de parler pendant 3 semaines? Tu penses pas que c'est un signe d'intelligence? Que de savoir écouter d'autres qui savent un peu mieux que nous? Bien, ce serait prétentieux de ma part de dire que c'est un signe d'intelligence, mais je trouve que on se doit d'apprendre, de savoir écouter. Puis c'est ça que je veux dire, il faut pas écouter le manager, l'impresario, l'équipe autour en se disant « Moi, je suis arrivée, j'ai vendu des disques, je suis connue. » Il ne faut jamais vivre avec ça. Quand on a le talent, quand on a le succès qui arrive avec, il faut davantage essayer d'oublier ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qui est arrivé? Tous les prix, tout ça. Il ne faut pas vivre avec ça. Sinon, c'est une lourdeur qui s'accroche à toi. Puis quand tu arrives après, les gens essaient de t'aider à t'expliquer, puis veulent ton bien... Ça ne rentre pas facilement. Il faut essayer d'être une éponge dans la vie. Une éponge qui est capable de prendre le meilleur de chacun. Une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit, une sensibilité aussi. Et je pense que, à ce moment-là, si tu es une éponge et tu es capable d'être à l'écoute et d'être capable de dire, oui, c'est vrai, c'était pas... j'en aimais un peu, là. Je me suis énervée un peu trop, puis... T'as peur que la tête t'enfle, finalement. Bien, je veux me protéger. Tu veux te protéger, tu absolument. Sais, parce que si t'as la tête enflée, je suis la meilleure du monde, puis ça finit là. Parce que moi, j'ai jamais vraiment dit, oh, je veux tellement là, avoir une carrière internationale. J'ai jamais eu le temps de dire ça. Non. Ah non, je pensais que c'était toi qui voulais avoir une carrière internationale. C'est arrivé. C'est arrivé, OK. C'est arrivé, okay. Ça arrive, ça se passe. Mm. J'ai jamais eu le temps de souhaiter quoi que ce soit. Quand on était à ton enfance, t'as 12 ans, les petites filles de 12 ans, ordinaires, là, qui n'ont pas ce talent-là, ben ils jouent, ils sortent, ils vont patiner. Toi, t'étais focussée sur le chant déjà. Mm-hmm. Étais-tu focussée ou si tu jouais? Ou si t'étais... Non, je ne jouais pas. Tu jouais pas. Je pense que j'ai jamais joué. Non. T'as pas joué. Je pense que j'ai jamais joué. Toi, tu voulais chanter. Moi, je voulais plaire au début à mes frères et mes sœurs. Okay. Je voulais être leur petite poupée, puis je voulais qu'ils soient fiers de moi. Puis je voulais être aimée d'eux, puis je voulais les aimer, puis ça me suffisait. OK. Et j'ai jamais eu le temps de penser « je veux jouer ». J'avais une petite copine qui restait à côté de chez moi, puis je jouais avec elle parce que je voulais prendre soin d'elle. J'étais déjà un petit peu... Maternelle. Oui. Je me rappelle, elle venait dans le petit moustiquaire, puis elle s'appuyait le nez sur le moustiquaire, puis elle me disait, « Céline, tu veux jouer dehors? Céline, tu veux-tu jouer dehors avec moi? » Puis là, je la regardais, puis son petit nez coulait, puis là, je me disais, j'avais pas fini de manger, puis je laissais tomber mon hamburger, puis j'allais moucher son nez, puis elle regardait mon hamburger, puis je donnais mon hamburger. Elle jouait déjà à la mère. Ouais. Mais, et après, j'avais déjà 12 ans. J'avais déjà 12 ans. Et c'est à 12 ans qu'il y a eu la grande rencontre avec René. Là, il y a eu la grande rencontre avec René. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé à cet homme-là? Tu t'avais 12 ans. Moi, déjà, je pense que c'est la première fois que j'allais à Montréal. Ah oui? Tu sais, de prendre pourtant, le métro... Pourtant, c'est pas loin, Charlemagne. C'est pas loin, Charlemagne. Mais pour une petite fille de 12 ans qui vrai. A toujours été à Charlemagne puis qui a marché pour aller à l'école, pour moi, Montréal, c'était New York, là. C'était le Japon, là, tu sais, c'était la petite maison dans la prairie.
puis on était juste dans notre petit village, puis on était heureux comme ça. Puis là, un jour, on a pris le métro, là, puis l'autobus, maman puis moi. L'autobus, puis là, je me disais, maman, je fais confiance pour les galettes à cuillère, puis le support et les tourtières, mais là, là, elle me donne un lift en autobus, elle, là, va-tu savoir où aller? Maman, tu sais-tu où tu t'en vas? On est rendu dans l'autobus. Puis après ça, on était rendu dans le métro. Puis là, j'avais un peu peur, ça m'impressionnait. Puis surtout, qu'est-ce qui m'impressionnait le plus, c'était que ma mère ait pris ça en charge, puis qu'elle m'amène sous son aile à Montréal. Puis quand on est arrivé au bureau, pour moi, de monter dans un édifice, puis de voir rentrer, il y avait une secrétaire, il y avait des disques d'or après les murs. Puis quand j'ai rencontré René, pour moi, c'était le premier homme, à part mes frères, puis mon père. Ah oui? Dans un centre. Bon, le monde, c'est la rue. Moi, j'allais à l'école, la tête baissée. Mm-hmm. Fait que là, je rencontre un homme en habit, tout habillé de brun, vêtu. Super bel homme. Oui. Je m'en souviens, moi. Charge. Tout en des baronnets, il était très beau. Beau bonhomme. Hey, beau bonhomme. Et j'ai été très impressionnée par... Je le connaissais pas du tout, mais j'ai été impressionnée par... Tu sais, mon père arrivait de travailler. Mon père était toujours en habit, mais c'était le seul homme que je voyais en habit, c'était mon père. Puis là, je suis arrivée en ville, à Montréal, dans un édifice, dans un bureau de professionnel, avec un homme professionnel. Ça m'avait... vraiment très, très, très impressionnée. Et bien sûr, j'étais avec maman, puis je me rappelle très bien du décor. Il m'a demandé de chanter. J'ai chanté. T'as chanté, là? Ce n'était qu'un rêve. C'est... La chanson que ma mère avait écrite. A écrite pour moi. Tu sais, juste penser à ça, que ma mère m'écrive une chanson. C'est cette histoire-là. Oui, oui, c'est une histoire extraordinaire. On fera un film, là, il dirait, on s'est arrangé avec le gars des vues. Exactement. Puis ça me fait peur. Puis parce une que bonne je me... chanson, puisque tu la chantes encore. Je la chanterai, puis je vais toujours... Puis ça va toujours rester ma chanson préférée. Comment ça marche, ton ce n'était qu'un rêve, ce n'était qu'un rêve. Imagine-toi. Impossible à oublier. Ah non, c'est... Écoute, ma mère qui écrit ça, je ne sais pas si elle l'écrit en pleine nuit, j'imagine. J'imagine. Mais ça a été... toute ma vie, ça a été comme ça. Pas le temps de penser, les choses arrivent. Je suis assise aujourd'hui. As-tu le temps de les rêver? Non. Même pas le temps de les rêver. Non. Tu rêves pas d'aller chanter à Paris. Tu rêves pas à ça. Ma tête fonctionne beaucoup. Oui. Mes pensées, pas nécessairement en rêve, mais tout le temps. Oui. Je suis une personne qui a toujours l'esprit là, qui fonctionne tout le temps, tout le temps. Mais pour des projets. Okay. Des visions de certaines choses, mais pas pour « j'aimerais ça faire ça » ou « pour ma carrière », pas nécessairement. Quelle sorte d'estime de toi-même as-tu? Es-tu quelqu'un qui doute de toi? Je pense pas. Non. C'est peut-être dû au fait qu'on t'a tellement aimé. Moi, je pense que c'est parce que je me dis, tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, si ça s'arrêtait tout de suite, ça me dérange pas. Je suis pas accrochée à ça. C'est pas le seul fil qui me tient, moi, à ma vie. Au contraire, je veux pas m'accrocher à ce fil-là. Ouais. Moi, là, de vivre, d'être là, d'avoir des projets, d'avoir de l'amour pour les autres... Ouais. Que les autres aient de l'amour pour moi, oui. D'avoir c'est mon ça fils, qui est important. C'est ça qui me tient. Mm-hmm. Puis je me dis ça, je ne perdrai jamais ça parce que c'est en moi. Je vais perdre les gens que j'aime, les gens vieillissent. Et ça, il faut que tu trouves une façon pour que ça... Pas que ça t'endurcisse, mais que ça te renforcisse, que ça te rende forte. Il faut que tu prennes ça avec toi. Mais non, j'ai pas de... Je m'accroche au bonheur de la vie, tout simplement. Mais quand tu parles de projet, c'est des projets de carrière, quand même. Tu ne peux pas... Pas vraiment. Pas vraiment?
Mais ça va faire les projets de carrière, là. Oui. Il y a assez Granny qui fait des projets de carrière. Oui, mais oui, il y a quelqu'un qui est fait à ta place, mettons. Mais tu sais, quand tu as rencontré à Desmarnais, par exemple, là, tu sais, bon, tu t'en vas en France, la petite fille de Charlemagne qui arrive en France, tu te devais être très impressionnée de la France. J'étais impressionnée, ça me faisait peur aussi, parce que j'avais l'impression que je ne parlais pas leur langue, là. Oui. Si je m'en vais à Paris, vont-tu me comprendre? Je suis pas trop cute, je vis mes moments d'adolescence, mes dents qui sont complètement déplacées, j'étais plus longue que... mes bras étaient plus longs que mon corps. Je sais pas, je me trouvais pas belle du tout. Puis pour une adolescente, de vivre ça devant le public, j'ai trouvé ça... Mais ça comptait pas. J'ai trouvé ça un peu difficile. Mais ça comptait pas. La preuve que ça comptait pas, c'est que tu as pu faire une carrière très, très jeune. Ça comptait avec ces pas, dents-là. Mais toi, dans mon cœur de petite fille, par exemple, ça comptait parce que moi, je voulais plaire. Oui. Je voulais qu'on m'aime. Mm-hmm. Eux autres, ils disaient, t'as une belle voix, mais moi, je voulais qu'on me trouve belle aussi. Puis ça, je ne l'avais pas, là. Mais alors ça a été dur pour moi de faire tous ces changements-là. C'est comme si on est toujours dénudé en public. Puis ça... ça donne le vertige souvent. Puis quand t'as 13, puis 14, puis 16, t'en manges une shot. Oui. Ton adolescence avec tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père, comment ça s'est passé? As-tu eu ces moments de révolte qu'ont des adolescents-là? Non. Ma vie d'adolescent qui était pas chambardée. Non. Oui, il y a des jours où je me sentais plus petite fille, des fois plus... je voulais vraiment devenir une femme, là, puis me faire belle, puis plaire, puis... mais à part ça, cette guerre à l'intérieur que souvent les adolescents ont, tu l'as pas senti, je ne l'ai pas senti. Quand tu as commencé vraiment à être reconnue par le public en France et ici, est-ce que tu as senti que tu faisais de l'ombre au reste de la famille? Parce que y a une grosse famille, puis tout à coup, il y en a un, que ce soit toi ou un autre, qui dépasse les autres. C'est fatigant pour les autres. Bien, c'est sûr que j'ai souvent pensé, puis j'y pense même des fois encore, mais je sais qu'eux, ils ne se sentent pas comme ça. Ils sont contents pour moi, puis ils veulent. Ils sont heureux de ce bonheur-là, mais je pense qu'ils sont davantage heureux que moi, je suis bien avec ça. Mais je ne vous cache pas du fait que moi, personnellement, j'ai jamais voulu... que eux sentent et moi sentir, qu'il y avait une différence entre eux mais et c'est moi. Arrivé. Jamais. Ça arrive, tu sais, ça arrive. Ça arrive, c'est-à-dire que au bout de la ligne, j'ai peut-être fait beaucoup de choses, mais pour moi, je suis jamais première, je serai toujours la dernière de la famille. Okay. Fait que pour moi, on court tous pour le marathon. On court tous pareil. On se passe juste le bâton. Puis, je veux jamais sentir que je suis arrivée à la ligne la première, parce que c'est pas vrai. Ma vie a fait que j'ai fait ça, mais je suis toujours la petite Céline de la famille. Puis ça, je veux jamais que ça parte. Qu'est-ce qui est arrivé, Céline, pour que tout à coup, t'arrêtes tout et que tu décides de faire arranger tes dents, que tu décides d'apprendre l'anglais, c'est à ce moment-là, d'apprendre la danse, en fait, de devenir un papillon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Déclare. Écoute, ça a été un choc quand on t'a revue. C'était plus la même fille, c'était une femme. C'est au moment où il y a eu cette transition entre la jeune femme, l'adolescente, la petite fille qui passait au niveau de la jeune femme. Déjà, j'en avais vécu un long moment devant le public. Et on sentait, je dirais peut-être pas moi personnellement, parce que j'étais peut-être un peu moins... je sentais peut-être un peu moins les choses à ce moment-là, mais les gens de mon équipe commençaient à sentir que le public ne voulait pas laisser partir ce petit bout de femme-là. Quand on adopte quelqu'un, c'est comme quand on voit grandir son enfant, puis tu dis, oh mon Dieu, j'ai l'impression que le visage y allonge. Le nez élargit, puis la voix y change. Puis ça fait un pincement au cœur. Tu sais, tu te dis, je suis en train de perdre ton bébé, là. Et eux autres, ils commençaient à sentir que le monde aurait eu de la difficulté à laisser tellement j'ai d'amour pour toi, puis d'amour ou d'amitié, mon ami m'a quitté.
Il fallait qu'il y ait un petit changement, il fallait qu'il y ait l'évolution. Et de faire ça devant le monde, c'était trop dur pour eux autres. C'est ce que je pense qu'ils ont voulu faire. Alors, ils se sont dit, on va te faire oublier un peu. De toute façon, ça avait marché fort. Et puis là, on entendait parler de moi beaucoup. Puis on ne voulait pas que les gens aient une overdose, justement, là, de dire, là, ça va faire, tu sais, 2 ans plus tard, t'es encore là. Donc, je me suis retirée pour vivre cette transformation, pour porter des broches. La transformation des dents a été... ils en ont fait un gros plat avec ça, parce que c'est comme si j'avais eu 12 opérations dans la bouche, puis... Tu sais, ça n'a pas été ça. Là. J'ai porté, je me suis fait arracher quelques dents et puis j'ai porté des broches, des élastiques. Bon, les jeunes savent ça. Mais ton corps a changé. Bien, j'ai vieilli, j'ai allongé. Mais oui, je me suis arrondie, comme toutes les filles de cet âge-là. Je me suis mis en jeans, ma petite fille. Je suis partie de la robe. Moi, c'est à cette époque-là que je t'ai connue, parce que tu étais faite, mais tu es encore faite au couteau. Mais tu sais, comme mannequin, là. Mais c'est vrai, je te jalouse. Bon, mannequin, écoute, j'avais jamais vu ça. Mais c'est parce que moi, je portais beaucoup de choses en parce que j'étais très maigre. Oui. Puis, il y avait Josiane Moreau qui m'habillait à l'époque, qui me faisait des choses très amples. Alors, tout ce que tu voyais, c'était 2 petites cannes avec des petites ceintures, la petite taille grosse de même, puis des petites affaires à foufou. Mais là, quand je me suis retirée, je suis rentrée dans les pantalons, ma petite fille. Mais là, tu voyais les formes pour la première fois. Il y avait toujours les 2 petites cannes, mais là, il y avait des petites foufounes avec ça. Puis là, ça commençait à s'arrondir, tout ça, puis allonger, puis les cheveux, puis le mascara, puis toute la quête. Fait qu'incognito, là, ça cognait fort. C'est là que j'ai commencé à faire ma fraîche. Tête enflée, va! Là, après Incognito, là, t'étais lancée, là, la belle fille. Ouais, là, c'était c'était le pétard. Écoute. Puis t'avais des petits vêtements sexy. Ben oui, qu'est-ce que c'est? Écoute, t'étais vraiment pétard. Hein, ben là, moi, je pensais, là. Oui. Mais là, alors à ce moment-là, ta mère, est-ce qu'elle te suivait encore? T'avais quoi, 17 ans, 18 ans? 17, oui, à peu près 17 ans, je pense. Oui, ma mère toujours. Oui, ma mère m'a accompagnée très longtemps. Puis même, ma mère, elle m'accompagne de temps en temps encore. Ben oui. Je pense qu'elle aime ça. Surtout dans mes voyages maintenant de repos avec ma famille. Ouais. Mais tu sais, maman, elle m'accompagnait. Elle m'a jamais suivie. Elle a toujours été là pour me protéger. Tu sais, quand tu as 12 ans, puis tu es avec un homme inconnu, dans un monde de fous, dans un milieu artistique qu'on connaissait pas, c'était la moindre des choses d'avoir quelques moments à ses côtés. Et j'ai été chanceuse, parce que si j'avais pas été la dernière, elle aurait pas pu être là pour moi. Non. Alors, j'ai été la dernière, elle a pu faire ces voyages-là avec moi, puis... je remercie le bon Dieu parce que franchement, ça m'a donné l'équilibre aussi de suivre le droit chemin. Tu sors en papillon et puis là, tu as un cœur de petite fille de 17 ans. Mm-hmm. Puis ce cœur-là, est-ce que tout de suite tu es tombée en amour avec René? Je pense que je suis probablement tombée en amour avec René bien avant ça aussi. Avant ça aussi. Ça fait peur au monde de dire « Ah oui, tu l'aimais quand tu étais encore plus jeune que ça. » Vous savez, l'amour, c'est un grand mot. Ça peut être l'amour de son père, l'amour de son fils, l'amour de son frère, l'amour de sa famille, l'amour de la vie. Ouais. L'amour de quelqu'un qui était là, près de moi, qui voulait mon bien. Je l'ai toujours admiré pour... sa grande sensibilité, son savoir-faire, sa beauté, sa délicatesse, sa maturité, son don de savoir comment me parler, même si j'étais très jeune, le don de respecter les autres autour de lui, sa façon d'être. Lui, je l'admirais, donc je l'aimais. J'étais bien et j'étais en confiance. Je savais qu'il jamais il aurait voulu du mal, qu'il voulait toujours mon bien et qu'il était là pour me protéger à sa façon aussi. Qu'il n'y avait pas de malice. Il m'aimait, mais d'une façon très franche et d'une façon très humble et très sincère et aussi plutôt côté paternel au début.
Évidemment, bon, un jeans plus tard, cet amour s'est transformé. Oui. Et je dirais pour moi, merveilleusement bien, et tant mieux pour moi. Il a su se faire aimer de ma famille, se faire aimer de mes parents. C'était très important aussi pour faire ta conquête. Ma mère a voulu le tuer à plusieurs reprises, ça, oui, c'est sûr. Oui. Et littéralement. Pourquoi voulait le tuer? Parce qu'elle trouvait trop vieux. Écoute, un homme marié deux fois avec des enfants, aimant un jeune cœur, sans expérience, ouais, il ne fallait pas qu'il s'approche de ça. Elle ne voulait pas du tout. Elle ne voulait pas qu'il s'approche de ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Viens pas jouer dans mes affaires. Ouais. Occupe-toi de ta business. Fais ce que tu fais bien ton métier, j'ai rien à te reprocher, mais viens pas jouer d'impact. Viens pas jouer. Moi, j'ai eu des filles là qui m'auraient dit, mais maman, je l'aime. Ben oui, mais c'est ça que j'ai dit aussi. Je l'aime. C'est ça que j'ai dit. Ma mère, elle l'avait entendu souvent, celle-là, mais je l'aime avec les autres. Là. Oui. Mais là, les autres, il y avait peut-être pas eu un homme marié deux fois avec des enfants, puis j'étais quand même assez très jeune là. Et puis, elle voulait me protéger. Mais en bélier que tu es, ouais, t'étudies... Pauvre moment. T'étudies, non, maman veut pas, mais moi, je veux. Est-ce que tu disais ça? C'était pas sur ce ton-là ou cette... J'avais eu aucune agressivité parce que j'ai toujours respecté et aimé ma mère énorme. Puis je me suis dit, je sais qu'elle a raison. Parce que c'est pas le script. C'est pas ce qu'il doit faire, ce qu'on doit faire dans la vie. C'est pas la vraie affaire. Mais c'est pas un film en même temps. Non. Fait que je me disais, maman, elle a raison de se battre pour moi comme ça. Puis ma mère, tu sais, moi, je me mettais dans... J'étais quand même assez mature pour pouvoir me mettre dans sa peau. Puis dire, ma mère, elle veut mon bien. Puis je la comprends. Mais il faut que je trouve une façon et la patience, surtout, d'attendre et pour qu'elle comprennent vraiment que c'est pas un coup de tête. Parce que ma mère, elle avait peur que ce soit un coup de tête, là, cette affaire-là. Puis qu'au bout de deux mois, tu changes d'idée. Puis ça aurait été terrible, ouais. Puis... Mais René, est-ce qu'il était au courant? Il devait bien sentir que tu... Oh, je suis sûre que ma mère, elle l'a affronté à plusieurs reprises. ma mère, écoute, c'est un poisson, mais... Elle a la tête sortie de l'eau, ma mère. Je suis sûre qu'elle y a dit... Qu'elle y a parlé. Touche pas ma fille. Oh, écoute... Un jour, vous devriez faire une entrevue avec maman. Vous lui demanderez, maman, je te donne la permission de dire les vraies affaires. Oh non, c'est sûr qu'elle voulait le tuer. Ouais. Elle voulait le tuer, mais aujourd'hui, heureusement que ce que je ressentais, c'était la vraie affaire. Parce que j'ai pas menti à ma mère quand j'ai dit je l'aime pour vrai. J'y ai pas menti, je me suis pas menti à moi-même, puis j'ai pas menti à René. Alors, vous avez été combien de temps dans cet amour? Bien, moi, du premier jour. Oui, mais... Du premier jour. Secret. Bon, mais là, il fallait pas le dire au public. Ça, c'est dans le temps de The Color of My Love. Oui. Et mon disque en anglais, le The Color of My Love, j'avais mes petits cheveux courts. C'était... je me rappelle de notre premier baiser qui était à Dublin. je me rappelle plus en quelle année, mais... J'avais 19, 20 ans, 20 ans peut-être, je me rappelle plus. Ta mère était pas là. Ma mère était là. Elle était là. Mais ma mère était à Dublin avec nous autres. Ma mère était là. Puis là, ça a été trop Mais fort. Mais ce baiser-là était le début du restant de ma vie. Alors là, il a fallu l'apprendre à ta mère. Là, il a fait... Puis c'était bien bizarre parce que fallait que je l'apprenne à ma mère, puis ma mère, elle le savait déjà. Oui. C'était elle qu'il fallait qu'il m'apprenne que ça passait pas, là. Oui. Là, est-ce qu'elle a dit ça passe pas? Elle a dit ça passe pas. Et tu t'es fait beaucoup de mal. Tu vas voir, j'ai hâte que tu lises mon livre. Parce que moi aussi, j'ai été amoureuse, je le suis encore, d'un homme de 20 ans, de plus jeune que moi. Puis ça, c'est encore plus mal vu quand c'est de la femme qui est bien. Oui, et puis... mais c'est, moi aussi, j'ai eu un baiser comme ça. Et puis, mais c'était tellement décidé dans ma tête que rien aurait pu changer. Moi aussi, c'était décidé dans ma tête et dans mon cœur, mais je voulais pas affronter ma mère puis lui faire mal. Okay. Puis j'ai jamais affronté ma mère du sens... maman,
fais-moi confiance, je l'aime, puis tu vas voir. J'ai toujours voulu respecter et traiter ça en essayant qu'elle lise dans mes yeux. Maman, je le sais que c'est pas l'histoire écrite parfaite. L'histoire régulière. C'est pas le film Non, rêvé du prince non, charmant de non, mon non, âge. Je le sais, maman. Mais je l'aime pour vrai. Puis je pouvais pas lui dire autre chose que ça. Puis pour lui prouver, il fallait que le temps, laisser le temps arranger les choses. Alors, on a su s'aimer en rêve. Et ça a été un amour très passionné parce que quand on rêve en s'endormant avec une photo près de soi, en vaporisant les têtes d'oreiller du parfum de ton amoureux, ah, j'ai vécu ça. Le romantisme, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. S'endormir au C'est bout d'une ligne beau. téléphonique, il y a eu une cet amour-là a existé, elle fait partie de moi encore, elle existe. Donc la passion était très élevée. Alors c'était encore plus grandiose parce que quand on peut se jeter dans le feu en partant, ça aurait peut-être pas été comme ça. Alors je ne regrette aucun de ces moments-là parce qu'on a eu le temps de faire durer les choses pour que Et ça dure. d'attiser le Ah, et ça, c'est désir. encore plus C'est extraordinaire. encore plus Tu sais, extraordinaire, pourquoi un oui. cadeau est enveloppé? Oui, t'as raison. Oui, pourquoi un Pourquoi cadeau qu'un qu'un... cadeau est enveloppé? Parce qu'il va être, c'est de faire durer le plaisir, Oui. c'est de pouvoir Mais alors, l'entendre et oui, et le sentir, le palpiter, se Oui, dire qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que je oui. sais c'est quoi, est-ce que c'est ce que je veux, Oui. est-ce que je vais être contente. Ah. Tu tires le ruban, t'oses pas trop le défaire, tu veux pas que ça se brise, puis là des fois ça se déchire, mais c'est pour découvrir quelque chose de formidable. Ça t'a jamais, jamais manqué. C'est les amours de jeunes filles avec des garçons de ton âge. Tu n'y as jamais pensé. Non, puis très très jeune, je me suis toujours dit que j'aimerais ça pouvoir avoir un homme dans ma vie. Pourquoi? Je ne sais pas. Un seul homme dans ma vie. Ça fait partie de mes gènes, je ne sais pas Oui. pourquoi. Mais tu as un Pour maman, exemple. peut-être, Oui. hein? Où tu as vu ça dans ta vie? Tu as vu ta mère avec son Oh, j'ai vu beaucoup Adhémar? de films où il y a une femme pour un homme. Oui. Ça m'a toujours impressionnée. Oui. Et ma mère, ça m'a toujours impressionnée. La mère de René Aussi. 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 Donc, je me dis, je voudrais pouvoir avoir qu'un seul homme dans ma vie. Bon, j'en ai déjà eu trois. J'ai mon père, j'ai déjà René, j'ai déjà mon fils, mais un amoureux, Un seul. un seul. Je voudrais pouvoir respecter ça. Alors, tout en vivant cet amour-là, tu te retrouves partout au monde. Comment aimes-tu ça voyager? Ou c'est compliqué pour toi? Oh. Disons que je fais avec. Oui. Voyager pour moi, c'est. J'aime pas vraiment parce que je me dis j'ai hâte d'arriver au but, là. L'action. J'ai hâte de me revoir sur scène. Non, pas vraiment. Non? Non. J'aime ce que je fais, mais je le fais pour arriver à un but. Quel but? M'asseoir. Te retirer? Me retirer? Non. Oui ou non? Non, pas vraiment. Parce que je voudrais chanter très longtemps, mais je voudrais chanter et être en charge de ma vie. Depuis 25 ans, c'est mes cordes vocales qui me mènent. C'est ma gorge, c'est ma voix qui me devance. Il faut que tu en prennes soin tout le Mais temps, il faut tout que le j'en temps. prenne soin, c'est mon instrument, puis je suis pas une guitare, je peux pas changer les cordes quand ça va pas. OK. Alors je m'arrête de parler, je suis disciplinée, il faut pas que je prenne un verre de champagne parce que je vais me mettre à rire trop fort, si je ris trop fort, j'ai un show demain. Donc je me prépare aujourd'hui pour demain, la semaine prochaine pour le mois d'après. Il y a toujours une préparation, je Alors, suis tannée de me alors préparer. tu penses toujours à ta gorge. Puis ma voix, elle À ta s'organise pour que je pense à elle tout elle, le temps. non. Alors, tout le temps être en préparation pour une prochaine affaire. La discipline tout le temps, qui a toujours mené ma vie. Je commence à être un peu tannée de ça. Je veux prendre charge de ma vie. Ça ne veut pas dire de m'arrêter. Ça veut dire que préparer un spectacle pour
une fondation, ramasser des fonds pour pouvoir faire une différence et pour me dire que j'ai envie de préparer ce spectacle-là dans plusieurs mois ou l'année prochaine ou peu importe quand ce sera le bon moment, le bon temps. M'asseoir pour pouvoir inviter. Mm-hmm. On a une maison formidable. Okay. On est chanceux de pouvoir avoir ce qu'on a. Mm-hmm. Puis je me dis, on n'est jamais là. Mm. Je veux pouvoir m'asseoir puis inviter. Je me fais toujours inviter, je me fais interviewer, je me fais poser des questions. Je veux interviewer, pas pour passer à la télé, mais je veux poser des questions. C'est moi qui ai envie de poser des questions. Dites-moi. Avoir des amis chez toi. Oui, avoir des amis invités, cuisiner moi-même, cueillir des fleurs, avoir un jardin, inviter des amis dans la cour pour mon fils, lui faire un party. Je veux que tu viennes jouer avec tes amis dans la cour, dans le sous-sol. Invite tes chums, invite tes amis, tes blondes. Je veux vivre avec toi, on veut vivre ensemble. M'asseoir pour regarder en arrière pour la première fois, ça ne m'est jamais arrivé. Mais tu as la vie la plus glamorous mm-hmm. au monde. Mm-hmm. Tu sais, tu prends un jet, écoute, c'est tellement pour nous mm-hmm. qui vivons des vies beaucoup plus ordinaires. Et toi, tu voudrais revenir à la vie ordinaire. Que j'ai pas eue. Que tu n'as pas eue. Mm-hmm. Que tu as. Tu sais, dans la vie, là, il n'y a rien de parfait. Hein? Non. Quand on n'a rien, ouais. on rêve à tout. Ouais. Puis quand on a tout, on rêve à rien. Ouais. Puis pour moi, de faire le sapin de Noël, on est arrivé ici, tout est fait. Mais à Vegas, je suis un petit peu plus souvent là, on fait le sapin ensemble. Puis il est beaucoup moins joli. Oui. Mais il représente beaucoup plus pour moi. Mm-hmm. D'inviter, de pouvoir rire jusqu'au dernier fou rire, jusqu'à en perdre la voix. Mm. Puis dire c'est ça me fait rien, ça me fait rien si j'ai perdu la voix. Puis, d'avoir mal à la gorge et de ne pas être obligé de prendre un cachet pour ça. Mm-hmm. De ne pas être obligé de se soigner, mais de pouvoir prendre soin de son âme, une camomille, un bon thé, un chocolat chaud, une paire de bas de laine. Une caresse de son amoureux, s'endormir sur le canapé, avoir son fils près de soi et de dire « On n'a plus de voix, on a tellement ri, c'est extraordinaire! » C'est ça le grand bonheur pour moi. Je suis à la recherche de ça, je suis en attente de ça. Pour moi, les voyages, ça m'amène à un endroit qui est encore un autre endroit d'attente. Alors, je fais encore un peu mon bout de chemin pour que bientôt, m'asseoir sur cette chaise berçante, sur ce canapé, et peut-être regarder en arrière pour la première fois pour pouvoir dire voir qu'est-ce que j'ai fait. Et t'oublies quelque chose, peut-être aussi pour t'ennuyer. As-tu peur de t'ennuyer si t'arrêtes? Oh non. T'as pas peur de t'ennuyer du tout? C'est la dernière affaire que j'ai peur, c'est de m'ennuyer. J'ai assez d'affaires dans la tête, là. Vas-tu t'ennuyer des applaudissements? Non. Tu sais que c'est une drogue. Tu le sais, c'est une drogue. Bien, je ne sais pas parce que je n'ai jamais arrêté. Quand j'ai arrêté 2 ans... Ah, c'est vrai, quand on est sur une drogue, on n'arrête pas. Tu as raison. Quand j'ai arrêté 2 ans, j'ai eu la plus belle drogue qui faisait partie de moi, qui me nourrissait chaque jour, c'était mon fils. Oui. Je n'ai pas été en manque, là. Non. Fait que je ne sais pas. Je n'ai jamais été en manque, donc je ne peux pas comparer. Mais j'en ai tellement reçu. Est-ce que ça va me manquer? Je ne le sais pas. Puis en même temps, je ne veux pas m'arrêter pour toujours m'arrêter. T'sais, je veux dire, Barbra Streisand a continué à faire des shows. Oui. Paul McCartney qui est encore en tournée. T'sais, je veux dire, on peut faire des concerts de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'on a envie de le faire. Moi, j'ai envie d'être sur scène maintenant parce que j'ai envie de l'être. Parce que je suis en charge, parce que j'ai quelque chose à raconter. Et peut-être te rapprocher du Québec. Me rapprocher, c'est bien sûr. Alors, t'as tout. T'as l'amour d'un homme, t'as la gloire, t'as l'argent. Arrive un cancer. Mm-hmm. Comment tu as réagi à ça? René a un cancer. Mm-hmm. Je voudrais surtout pas que ça sonne comme si je suis au-dessus de mes affaires. Ouais. Mais il fallait que je prenne ça très bien. Ouais. La force. Je comprends. Il fallait prendre ça. Je comprends très bien. Il fallait prendre ça très bien.
Parce que je me suis dit, si je peux faire quelque chose pour lui, c'est maintenant. Oui. Alors, je veux certainement pas être la première qui va dire, oh, puis tomber à terre. Non, non, lui, il ne pouvait pas être plus à terre que ça. Non, non. Là, c'était à mon tour de le surmonter, de l'aider, de l'appuyer, de l'encourager. Puis là, pour la première fois de ma vie, là, il m'a donné les guides. Là, j'étais en contrôle, puis j'étais en charge. Puis j'aimais ça. Il m'a donné toute une job, par exemple. Oui. Alors, je me suis sentie très valorisée. Mais là, j'ai senti qu'il avait besoin de moi. J'ai trouvé ça... Tu étais devenue nécessaire. Bien, là, je faisais une différence pour la première fois. Je ne pouvais pas juste chanter, là, me trouve bien cute, là, puis je chante, puis je pense à la meilleure chanteuse. Là, là j'étais pour lui remonter le moral. J'étais pour faire... J'étais pour lui redonner, leur brancher. Là. C'est comme ça que je me suis sentie. Alors, j'ai pris les guides de la vie. Puis là, je suis devenue bien forte. Et de l'autre côté, quand je me retrouvais seule, je me disais, c'est normal que ça arrive. Tout ne peut être parfait. Oui. La famille, la vie, la carrière, René, le succès, le bonheur. À un moment donné, là, dans le vase de pots de fleurs, là, il manque d'eau. Oui. Il faut en rajouter des fois. Oui. On ne peut pas dire qu'un cancer, c'est une belle expérience, mais on a su. Et encore aujourd'hui, parce que ça fait partie de nous tout le temps. Même après le 5 ans de rémission, ça reste tout le temps. On a un petit mot de gorge, on pense que ça revient, on a un petit œil qui coule, on pense qu'on est encore malade, on a mal dans le dos, ça y est, c'est revenu. Alors, ça fait partie de notre vie. Est-ce qu'il est venu un moment où tu t'es dit, je vais le perdre, l'amour de ta vie, as-tu eu peur de le perdre? Je ne pouvais pas dire, tu sais, j'ai peur de te perdre. René, ça aurait été plus difficile pour lui. Je lui disais plutôt, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. C'est normal parce que là, ils t'ont donné plein de chimiothérapie dans ton corps. Là, tu es parti à la guerre, mon homme. Tu étais à la guerre. Puis tu as le feu dans toi. Puis aujourd'hui, ça travaille fort. Mais c'est une bonne affaire parce que ça a rentré dans ton corps, ça, ces produits chimiques-là. Mais Céline, où tu prends tout ça? De l'amour. C'est de l'amour? De la croyance. Ouais. Il faut croire, il faut être tu crois centré. À la vie, tu crois en la je vie. Je crois à la vie, je crois à la mort. Je crois. Alors, quand on croit, on a la passion. Ouais. Quand on a la passion, on a l'envie. Et quand on a l'envie, on a l'espoir. Ouais. Et quand on a l'espoir, on tout a peut, tout. On a tout, 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 tout peut arriver. Et tu t'es rendu, c'est un mot, c'est un cliché, tu es rendu au sommet. Tu sais, tu ne peux pas aller plus haut que ça, là. Pense aux grandes vedettes comme Barbara Streisand, Judy Garland. Tu sais, au sommet. Mais qu'est-ce qu'on fait après le sommet? Bien, justement, c'est de revenir en arrière, sur ses pas. C'est bizarre on parce que j'ai jamais... On ne veut pas rester au sommet. Je n'ai jamais voulu aller au sommet. Au sommet, voilà, c'est ça la différence, oui. Ce n'est pas quelque chose que je visualisais. Je voulais être aimée. Je voulais plaire. Je voulais chanter. Je n'ai jamais voulu aller au sommet. Et tu t'es pour servi... moi, le sommet, oui. C'est d'être bien ancré au sol. Ah, oh, c'est bon. Mon Dieu que c'est bon, je vais écrire ça quelque part. Là. Alors... Mais oui, c'est tellement bon. Le sommet, c'est être ancré dans le sol. C'est avoir peut-être un pied dans le sommet, puis l'autre dans le sol. C'est un quartier. Disons que c'est d'avoir les pieds sur terre et la tête au-dessus des nuages. Bon, OK. D'accord. D'accord. Oui, parce qu'on peut rêver. Oui. On peut rêver. Oui. Eddie Marnay avait écrit une fois « Les chemins de ma maison ». Oui, je me souviens de cette chanson-là. Alors, je pense que c'est de revenir... À la maison. À la maison, de revenir sur son enfance, de revenir sur le droit chemin. En ne perdant jamais du fait que, quand je suis sur scène, c'est comme si on s'empruntait des personnages, c'est comme si on se joue la comédie, oui, c'est oui. comme si on fait ses pépettes, ça fraîche, et bon, oui. on s'amuse, oui. on partage. Mais pour moi, le retour, c'est centré, c'est l'âme,
C'est le rêve, c'est le côté paisible, c'est la maison, c'est le feu de bois, c'est la chaleur du bon pain. C'est le craquement dans oui, une cheminée. Mais il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui vont se dire, ben moi j'aimerais ça, je l'ai ça, la chaleur du bon oui, pain, tout je ça. Sais. Mais j'aimerais ça avoir oui. sa gloire. Bien sûr, parce que on cherche toujours l'opposé. Oui. C'est que quand on a tout, on cherche la simplicité des choses. Oui, c'est sûr. J'ai envie de faire disparaître mes bagages. Oui. Ma valise. Elle n'est jamais prête à repartir, mais elle part tout le temps. Elle part tout le temps. Les femmes qui sont derrière le feu de cheminée, puis à faire du pain, puis changer les petits, puis les couches, puis tout ça, ils rêvent à cette valise, ils rêvent à un départ. Et toi, tu l'as, la valise. Et je rêve de revenir de ce voyage. As-tu peur de vieillir? Non, au contraire. Non! Au contraire. J'ai assez hâte de passer ce bout-là d'être entre les deux, de glamour. Tenez! Non, c'est au contraire. Parce que je sais que le meilleur reste à venir pour moi. Ouais. J'y ai goûté. Oui. Maintenant, je déguste. Et ça, ça vient avec le temps et l'âge. Ouais. Je veux voir. Je veux entendre. Je veux arrêter de parler. Je veux écouter. Ouais. À mon tour. Okay. Je veux tendre l'oreille oui. et aller voir des spectacles, écouter les autres, poser des questions. Faire une vie plus normale, bon, en guillemets, une vie plus normale. Une vie plus normale et de se dire qu'il y a des temps morts, il y a des temps perdus. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'attend? Faut que j'aille prendre ma douche, faut que je me maquille, faut que je fasse faire mes cheveux, faut que je parte, je suis en retard, j'ai oublié. C'est terrible parce que on fait que la vie nous bouscule. Oui. On passe à travers le temps, mais des fois, on le bouscule. Mais tu peux pas... c'est sûr que l'argent... Quel est ton rapport avec l'argent, d'abord? C'est quoi ton rapport avec l'argent? Tu sais que c'est compliqué, les rapports. Chaque oui. personne a un rapport avec l'argent. C'est quoi, toi, ton rapport avec l'argent? En avoir beaucoup, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu es consciente de ça? Ou c'est René qui s'occupe de tout ça, ce côté-là matériel? C'est très difficile à répondre parce que je vais vous dire pourquoi. D'un côté de moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas important. Mais ça l'est. Et que je voudrais vivre humblement, comme dans le temps. Ouais. La façon que j'ai grandi. Ouais. Et de pouvoir offrir à notre fils le même cadeau. Est-ce que je vais le faire coucher dans les tiroirs quand je peux lui offrir un petit peignoir en cachemire avec des petites peluches? Ouais. Et d'un autre côté, je me dis, on est chanceux de pouvoir avoir de l'argent. Et tu l'as gagné. Oui, bien sûr. Et tu l'as gagné. Parce que ça ne doit pas être évident de ne pas en avoir quand on a besoin. Que ce soit pour envoyer les enfants à l'école, que ce soit quand ton enfant tombe malade. Parce que je vais vous dire que quand ton enfant tombe malade, il n'y en a pas d'argent au monde, il n'y en a pas assez quand tu veux la santé. Mais c'est dommage, mais des fois, tu as besoin d'argent pour faire des tests puis des médicaments puis faire guérir des enfants. Puis je ne peux pas vous dire que ce n'est pas important parce qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais à l'hôpital Sainte-Justine et depuis 3 ans, nous sommes parrain-marraine de l'hôpital Sainte-Justine pour ramasser des fonds pour justement donner la chance aux gens d'ici d'avoir des soins appropriés. On a ramassé 125 millions. Si l'argent n'était pas important, on n'en parlerait même pas. Sûr. Donc, d'un côté, je ne voudrais pas en avoir de besoin. Puis d'un autre côté, je me dis, je suis contente, j'assure l'avenir de mon fils en espérant que je puisse l'assurer de cette façon-là. Parce qu'il n'y a pas juste de ce côté monétaire-là qu'on assure l'avenir de ses enfants. Alors, j'espère qu'il aura le restant et j'espère que ça pourra l'aider. Et de pouvoir faire plaisir et de gâter, c'est valorisant aussi. Alors, l'argent, c'est très particulier. C'est à la fois, ça sent pas très bon et à la fois, il y a une importance qui vient avec, qui est déplaisante aussi. Mais si je peux me permettre de finir sur ça qui a rapport avec... C'est quelque chose que je me suis toujours dit. Si je perdais tout, j'avais plus un sou. Ça me remet... je me remets souvent en question parce que je veux m'assurer que je suis correcte. Parce que juste moi qui peux prendre soin de moi pour ça. Oui. C'est ton rapport à toi avec l'argent. Et vis-à-vis moi aussi. Puis je me dis souvent...
tu serais-tu capable d'aller sur le marché du travail, Céline? Mm-hmm. Puis de faire une job. Sur le chômage? Oui. Puis être sur l'assurance chômage? Oui. Puis je veux me convaincre que oui. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais je suis convaincue que je serais capable d'aller puis faire n'importe quoi. Mm-hmm. Parce qu'on a été élevés chez nous qu'avec du cœur. Mm-hmm. Puis quand tu as du cœur, que tu mets, comme ma mère, elle me dit tout le temps ça, le cœur d'un chaudron, le cœur à la pâte, puis quand tu mets du cœur dans ce que tu fais, tu es capable d'aller jusqu'au bout, que ce soit n'importe quoi, que ce soit balayer, de faire la vaisselle, faire du ménage, garder des petits, bercer des enfants malades à l'hôpital. S'il faut faire ça, tu es capable de le faire. C'est sûr, je suis capable de le faire. Qu'est-ce que la vie t'a appris? Tu es différente de quand tu étais, quand tu avais 12 ans. Qu'est-ce que la vie t'a appris? Je sais pas si je suis différente. J'ai un peu... J'ai rajouté quelques mots à mon vocabulaire à travers les voyages. Ouais. Tu as pris une maturité, moi, je peux te le dire. Tu as pris une grande, grande maturité. Je peux te le dire. Et je pense que ça vient avec le temps et c'est pour ça que ça ne me fait pas peur, parce que je me sens de mieux en mieux. La vie me donne... jusqu'à présent, des cadeaux extraordinaires. Je ne veux pas les prendre pour acquis. Je veux partager ce bonheur-là. La vie me donne tous les jours des avantages et des cadeaux extraordinaires. Et tu t'en rends compte? Surtout un enfant. Mm-hmm. Un enfant merveilleux. Et il y en aura peut-être un autre. Nous le souhaitons. Infiniment. Écoute, c'était tellement merveilleux la journée qu'on a passée ensemble, là. T'es super fine. Je disais, dans mon introduction, je disais, t'es peut-être la plus grande chanteuse du monde, mais c'est certainement la plus fine du monde. Est-ce que je peux vous dire que ça a été mon plaisir de vous avoir chez nous, ouais, de vous accueillir chez nous? Oh, je suis contente. Puis je peux vous dire que c'est un grand plaisir pour moi, pour ma famille, pour ma mère, parce qu'à quelque part, vous êtes un petit peu notre mère à nous autres. Merci. Merci, Fifille. Merci, merci beaucoup. Ok, là ça va être serré. Ok. André Robitaille commence son temps des fêtes en beauté en recevant Clémence Desrochers, Corneille en compagnie de Lise Dion. C'est ça. Merci. Traitez votre chien aux petits oignons grâce à Cabooze et les boutiques Fruits et Passions. Participez au concours et visitez notre site internet.